slow. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA 5 Online pour vous faire part d'un glitch, un tout nouveau glitch d'RP en illimité. Donc ce glitch vous permettra de vous faire 1500 RP toutes les 2 minutes. Donc là, pour la course, ne vous dites pas que c'est une course banale, vous allez comprendre par la suite pourquoi j'ai fait cette course. Donc cette course est vraiment super connue, donc c'est la route 68, vous pouvez la trouver en appuyant sur start, back, en appuyant sur start, activité, rejoindre, héberger activité, route 68 ou rejoindre, bref, faites un peu ce que vous voulez. Donc pour réaliser ce mini glitch qui vous permettra de vous faire 1500 RP toutes les 2 minutes, il vous faudra l'aide d'un ami. Donc si jamais vous cherchez des personnes pour réaliser ce petit glitch, je vous invite à me rejoindre sur mon gros Facebook, vous postez un petit statut, vous nous rejoignez et peut-être que des personnes se feront un plaisir de vous aider à réaliser ce glitch. Vous pouvez aussi poser tous vos pseudos et poster tous vos pseudos dans l'espace commentaire afin que vous puissiez vous aider. Alors c'est certes pas le meilleur glitch d'RP qui puisse exister, donc le glitch avec la mission de Martin a été patché très rapidement. Je sais que très peu de personnes ont pu en profiter, mais ce n'est pas de ma faute. Là, ça va vraiment vous permettre de vous faire 1500 RP toutes les 2 minutes, mais après avoir passé le niveau 120, je ne vois pas l'intérêt de gagner de l'XP. Donc là, je viens de terminer la course, vous avez pu voir que j'ai gagné 740 RP. Donc 740 RP, c'est vraiment faible, c'est très très faible. Mais là, vous avez vu que la course, je l'ai lancée en solo. Donc c'est vraiment un glitch qui est là depuis le début, j'en pense. C'est vraiment un glitch assez what the fuck, vous allez comprendre par la suite. Donc vous lancez la route 68 ou la course de votre choix, de toute manière ça fonctionne avec n'importe quelle course. Vous lancez cette course et pendant le menu où vous allez voir que vous devez choisir votre voiture, vous allez tout simplement inviter un de vos amis. Donc moi j'ai invité Dark Wolf, je lui fais une grosse dédicace, vous pourrez aller voir sa chaîne qui se trouvera dans la description. Vous invitez votre pote et vous attendez bien qu'il rejoigne, et quand il a rejoint il va vous le dire. Et une fois qu'il a rejoint, vous allez tout simplement sélectionner votre voiture, sélectionner ce que vous voulez, vous faites un pareil si vous voulez, faites vraiment ce que vous voulez, mais vous lancez la course à partir de ce moment là. Donc c'est vrai que ça met plus ou moins de temps à ce que votre pote rejoigne la partie. Lui normalement il va rester figé dans les airs, dans les nuages, et en bas à droite il y aura écrit un message en attente des fins des paramètres. Donc c'est à dire que vous, le temps que vous n'avez pas sélectionné votre voiture, vous, votre pote ne sera toujours pas en spectateur. En fait le but c'est que votre pote soit en spectateur, et quand votre pote est en spectateur, et bah écoutez, vous gagnez plus d'RP quand quelqu'un vous admire, je sais vraiment pas pourquoi. C'est comme ça, c'est le jeu. Une fois que votre pote est dans les nuages, vous lancez l'activité. Et si tout s'est bien passé, après le compte à rebours 3, 2, 1, go. En bas à gauche, vous apercevrez un message disant que votre ami regarde la partie. Si vous voyez ce message, c'est que le glitch va bel et bien fonctionner. À ce moment-là, vous terminez la course. Moi, je vous conseille de faire la route 68 étant donné qu'elle est vraiment très, 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 très courte. Elle se réalise en 2 minutes si vous avez une... En moins de 2 minutes si vous avez une adder ou une Zentorno full custom. Moi, elle n'est pas full custom, mais je me débrouille quand même pas mal. Je la termine quand même en 2 minutes. Et après, bah, quand vous allez terminer la course, vous allez voir que je suis encore une nouvelle fois tout seul. Hein, je suis tout seul dans la game, mais mon pote est en spectateur. Et quand mon pote est en spectateur, et bah, écoutez, je gagne le double d'RP que comme si j'étais solo. Donc j'ai fait un magnifique deux roues qui était trop contrôlé. Je sais, c'est trop trop classe. Je sais, vous avez surkiffé. Et je sais aussi que vous vous en foutez. La course va bientôt se finir. Donc voilà, vous faites la course le plus rapidement possible, vous parlez avec vos potes, vous écoutez de la musique, mais c'est vraiment super rapide et super simple. Là, la course vient de se terminer et vous allez voir que je vais gagner 1500 RP et 2940$, et là, je gagne 1500 RP. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ce mini glitch vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de likes et pourquoi pas partager cette vidéo sur Facebook et Twitter afin que vos amis puissent se faire de l'RP avec vous ou avec leurs potes. Et nous on se retrouve dans de prochaines vidéos. Allez, ciao bébé tout le monde.